Enfant vieillard, l'histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions, nous autres les animaux. Les vaches la racontent le soir dans leurs étables à leurs petits veaux, les lapins la disent dans leurs clairières, les écureuils dans leurs branches, les animaux sauvages dans leurs déserts. C'est le roman de renard. Je vais avoir le plaisir de le feuilleter pour vous, hommes, enfants, vieillards. Et voici d'abord quelques-uns des héros de notre histoire. Maître Corbeau, auquel Monsieur de La Fontaine en personne a bien voulu s'intéresser. Les seigneurs de la basse-cour, Messire Lecoq et sa gentille épouse si méritante, Dame la Poule. Poltron, le lièvre, le pauvre petit lièvre, toujours traqué, toujours craintif, le cœur battant, l'oreille battante. Renaud et Cerbère, les deux adjudants de la ferme. Le loup, la louve et le petit loup. On n'aimerait pas les rencontrer le soir au coin d'un bois. Maître Blaireau, le plus grand avocat du barreau des bêtes. C'est lui qui plaidera pour le vrai héros de notre histoire. Regardez, le voici, c'est lui. C'est lui le renard terrible et malin, le renard toujours à l'affût. Ses innombrables ruses faisaient chaque jour le désespoir de tous les animaux, ses frères. Quand on parle du renard, oh, on en voit la queue. Ce matin-là, comme d'ailleurs chaque matin, Maître Renard se promenait dans la campagne à la recherche de la victime du jour. Sentimental, ça paraît bien improbable. Les animaux deviendraient-ils méfiants? J'allais s'en assurer immédiatement. Là-bas, pas très loin, un bel oiseau noir. Et le renard, de plus en plus aimable. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes venu. Que vous me semblez-vous? Toujours aussi jeune. Quelle élégance, quel chic. Et puis le noir vous habille si bien, si bien, si bien. Sans mentir, si votre renard ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Oh! Ah, zut! Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais les farces de renard étaient quelquefois moins innocentes. Un soir de réveillon, tandis que le loup se chauffait douillettement au coin du feu. Feignant! C'est honteux! Tu pourrais vraiment aller chercher des poissons pour le souper! Sortir! Par ce froid, pas si fou! Comment? Si tu as froid, je vais te réchauffer, moi! Frappe pas, hein! Et c'est du poisson que je veux! T'as compris? Ça va, ça va! Et s'arrachant avec regret à son bon feu de bois, il partit dans la neige. Guidé par une odeur délicieuse, il découvrit bientôt le renard qui se livrait à une mystérieuse besogne. Le renard, précisément, était occupé à faire frire des poissons. Le loup s'approcha et les regarda avec envie. Car non seulement le renard faisait frire ses poissons, mais encore il les mangeait. L'eau lui en venait à la bouche, mais il n'osait demander l'aumône au renard. Cependant, il jugea qu'il
qu'il avait droit de vous laisser pour compte. Laisse-moi ça, je vais t'expliquer. J'ai trouvé un système de pêche miraculeux. Tu auras autant de poissons que tu voudras. Je te le dis parce que c'est toi, garde le secret, ça s'appelle la pêche à la lune. C'est très simple, tu fais un trou dans la glace, comme ça. Et tu introduis ta queue, comme ça. Comme ça, sans hameçon? Sans hameçon. Tu attends simplement que le poisson vienne mordre. Bien, très bien. Allons, au revoir. Cette bataille inégale, le pauvre loup devait-il laisser sa queue? Rampant misérablement après cette raclée mémorable, le loup devait encore constater à ses dépens que le renard lui avait ménagé d'autres surprises. Au revoir. Dans cette puissante forteresse, toutes les victimes du renard étaient venues déposer leur plainte. Moi, mon cher ami, je viens réclamer mon fromage. Avec fromage et intérêt. Voilà. Et vous? Moi aussi, Ménopitaille. Tous venaient réclamer justice auprès du roi des animaux, Sa Majesté le Lion. La reine, charmante, coquette et gourmande, ne s'intéressait qu'aux brochettes d'ortolan. Voyons, parle, mon loup. Parle sans crainte. Sire, voici ma plainte. Encore le renard. Voyons, greffier, nous vous écoutons. Allez, lisez. Allons, lisez. Sire, je demande réparation pour bronchite, perte de peau, de nerveux et jambon voilé. Le renard se montre sa forme. Allez, arrêtez, sire, écoutez-moi. Il rentre dans la salle. C'est moi qui sais la vérité sur le renard. Ce loup abominable est un menteur.
sire, croyez-moi, un renard n'est pas ce que l'on vous raconte. Renard habite paisiblement aux environs de la ville, dans un adorable château du Moyen-Âge. Il vit avec sa femme et ses trois enfants. Et le dernier né, un renardeau de quelques semaines, le petit Tétard, est un sourire dans cette maison. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Tableau touchant, messieurs de la cour, qui ne saurait vous laisser insensible. Le cœur de mon cousin est aussi pur que le lait de son épouse. Voici la vérité, messieurs de la cour. Par une grelottante soirée d'hiver, mon cousin le renard aperçut un paysan qui revenait de la pêche, traînant après lui sa lourde cargaison. Renard eut alors une idée géniale. Et sous la lune, il fit le mort. Tiens, un renard crevé. Un bout de sucre pour grand-mère, une culotte de peau pour grand-père. Allez, en voiture. Et le voyage blanc commença. La voiture était pleine de poissons. Et Renard, devant ses trésors, eut une vision. Ses enfants, ses chers enfants, si brillants de saumon, de truite, de goujon. Alors, Renard se souvint du petit poucet et il sema des poissons sur sa route. Quel régal en perspective! Mais le loup rôdait, messieurs, le loup féroce, affamé, paresseux. S'il en mourir, il affalait, affalait, affalait. Oh! Voilà la vérité, sire. Et vous châtirez impitoyablement tous ceux qui auront déposé plainte à la légère. L'avocat est à droit. C'est, mais surtout, si, qui plaide non coupable pour l'agression dont le lièvre fut victime sous mes yeux. Dans la chapelle royale, d'innocents petits lapins de cœur chantaient de paisibles cantiques. Quand un peu plus loin, à l'écart, sournoisement déguisé en moine. Sans moi, le lièvre ne serait plus qu'un cibin. Tu maintiens ta plainte? Oui, le sentier sympathique qui m'a pris là. Sire, oui, là. J'en ai encore un bleu ici. Mensonge, sire, et abomination. Mon cousin, le renard, était venu faire amende honorable de quelques péchés véniels lorsqu'il aperçut sur l'autel le lièvre impie, rampant, sacrilège et profanateur. Mon cousin, voilà la face. Le lièvre était ivre de vin sacré. Au nom du ciel, petit palissant, te rends-tu compte? Cesse, te dis-je, cesse ton manège impie. C'est trop fort, c'est trop fort. Et le monstre lui tira la langue. Ah non, messieurs, c'en était trop. Entre ce lièvre abominable et le renard saisi d'une pieuse indignation, dites-moi, messieurs, qui est le coupable? Et vous, qu'avez-vous à ajouter? J'en ai assez, assez, assez de toutes ces crêles. La décision que je viens de prendre sera irrévocable. Irrévocable. Greffier, écrivez. Nous, lions, roi des animaux, décrétons, afin que la paix règne parmi tous nos sujets, il sera désormais expressément défendu de se manger les uns les autres. Les légumes, les laitages et les fruits seront seuls autorisés. À dater de ce jour, le plus grand amour doit régner sur la terre. L'amour. 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 Je t'aime, miaou, miaou, mon cœur n'est pas bohème, miaou, miaou, puisque
rêve, tu sais qu'il t'appartient, donne-moi le tien. Ce soir au clair de lune, miaou, miaou, dans l'ivresse commune, miaou, miaou. Je veux le crier sur les toits, je n'aime que toi. Chérie, je viens rôder vers ta demeure. Ne me fais pas languir, ouvre tes bras. Chacun dans sa maison dora cette heure. Et dans la rue, il n'y a plus un chat. Tu sais bien que je t'aime, miaou, miaou. Mon cœur n'est pas bohème, miaou, miaou. Puisque tu sais qu'il t'appartient, donne-moi le tien. Ce soir au clair de lune, miaou, miaou. Dans l'ivresse commune, miaou, miaou. Je veux le crier sur les toits, je n'aime que toi, miaou. Essayer.
infect. Oh. Coucou, coucou, ami. Coucou, coucou. Oh loup, je ne suis plus déjà des bêtes de ce monde, c'est fini. Je suis au paradis. Ami, pourquoi nous souvenir de nos querelles anciennes? À quoi bon? Que c'est beau, quel dommage que tu n'aies pas pu venir avec moi. Ici, dans un ciel étoilé, sur des nuages pommelés, je vois mes aïeux défiler. Ici, les lapins sont des anges, ils volent comme des mésanges, et c'est un bonheur sans mélange. Ce ne sont que festins, ce ne sont que régales, guirlandes de boudins, délices sans égales. Ici, l'on voit la mort en rose, tout se transforme, amis, les choses deviennent toutes d'autres choses. Et puis, tu bois ce qui te plaît, veux-tu du vin, veux-tu du lait? Voici les petits gobelets et les petits tonneaux ailés. Tu n'auras qu'à laisser couler le nectar savoureux au fond de ton palais. Sur terre, on peine, on souffre, on travaille, on s'applique. Viens donc chercher ta part de bonheur angélique. Alors, ami, voilà ce qui t'attend. C'est beau, c'est beau. Oh, si j'osais. Alors, viens vite ici. Attends, je vais descendre, moi aussi, dans le seau, hein? Renard, renard, comme je te remercie, renard. Renard, je vais voir mes aïeux. Oui, à propos, si tu vois les miens, complimente-les de ma part. Quoi? Idiot. Oh, misérable, misérable. Non! Un renard! Au secours! Au secours! Là-haut, où est le pont du puits? Hé, Mathieu, arrive, arrive! Arrive, nous, au pont du puits! Oh, c'est misérable! Ému par ce spectacle, venez vous expliquer. Sire, depuis votre décret royal, je vivais heureux avec ma bonne poule et mes petits poussins. Quand un jour... Attention.
Qui va là? Afin que la paix règne parmi tous nos sujets, il sera désormais défendu de se manger les uns les autres. Ouvrez! Allez, retourne! Allez, retourne! Allez, retourne! Il est émouvant, il est très comique, oui? Quoi? Très bien. Allez, Macron! Amour, amour, et puis après, à quel lion, va? Vous êtes vraiment un joli brin de pouille. Je ne suis pas celle que vous croyez. Nous ne sommes pas celles que vous croyez. Non, non. Nous ne sommes pas celles que vous croyez. Acceptez cette valse. Messire, ce sont là mille mensonges que ce coq... Silence, je vous dis, silence! Mais voyons, tout sonne faux dans ces cocoricots. Silence! Pire, c'est le coq lui-même qui a oxy son épouse pour perdre mon cousin. Le coq était jaloux des conquêtes de sa poule. La femme du coq était à coquiner avec tous les coqs du canton. Et de clocher en clocher, tous les coqs du canton. Assez! La loi est la loi. J'entends que mon décret soit respecté. Ce n'est pas un chiffon de papier. Capitaine Ours, je te donne l'ordre de ramener le renard ici, mort ou vif. Tu sais où est son château, là-bas, à Malpertuis. Va le chercher et ramène-le. Va! Il y a un flic. Il y a l'ours qui arrive là-bas. Il vient ici, il n'a pas l'air content. Il vient ici, là. Oui, je l'ai vu. Allez vite, mise en scène numéro 1. Ah, que je souffre. Ours, que veux-tu donc? Lis. Il est beau, mon miel. Oh, non, ce n'est pas une raison pour baver tant. Je vois que tu aimes ça, le miel. Eh bien, si ça t'attirait, je peux t'en montrer une vraie mine en bas au village. Un temps haut comme ça. Si haut que ça. Viens avec moi, je vais te conduire. Approche, approche, c'est là. C'est un gros tronc? Oui, tu verras, c'est merveilleux. Il y en a une quantité énorme, c'est plein jusqu'au fond. Je dois mettre mon museau là-dedans? Oui.
renard du miel là-dedans. Mais oui. Seulement, il faut que tu enfonces bien ton museau. Sans quoi, tu ne pourras pas l'attraper. Hein? Tout au fond. Tu vas voir comme tu vas te récompenser. Cherche, mon ami, cherche bien. Arrivé, un ours là-bas. Venez, il n'est pas loin. Approchez, tapis très fort. Gros goulu, croyez trouver du miel là-dedans? Regarde! Tu peux être un lion, mais tu manges comme un cochon, mon ami. Vraiment, je te conseille de te surveiller. Dire, on m'a battu. Je ne suis plus qu'un pauvre ours blanc, plein de bleus et de bosses. Que c'est que cette mascarade, sacré nom du dieu des animaux? Oh! Le renard m'a trahi. Ce lâche m'a attiré dans un piège à ours. J'ai dû lutter contre toute une troupe de paysans. Ils parlaient de vendre ma peau. Oh, c'est horrible, ça. Mais à présent qu'elle ne vaut plus grand-chose, ils m'ont laissé repartir. Ah, miel alors. Tu sais bien que je t'aime, mon cœur n'est pas bohème. Assez, plus de sérénade. Mais au fait, arrive donc un peu ici, toi. Moi. Je vais te charger d'une mission spéciale. Va au château de Malpertuis, ramène-moi renard. Coûte que coûte. Oui, si. Bien. Va et péniche. Tu sais bien que je t'aime. Mon cœur n'est pas bohème. Puisque tu sais qu'il t'appartient. Régaler pendant des semaines entières.
s'appelle le pays des souris. Le pays des souris, le pays des souris, le pays des souris. Le pays des souris, le pays des souris. Voilà, c'est là, tu n'as qu'à te présenter de ma part. Et régale-toi, hein. Merci, Seigneur Renard. Vraiment pas de quoi, j'en dis ma tout. Ce renard, à cause de lui, tout le monde se moque de moi. Que l'on fasse venir le blaireau sur le champ et à lui parler d'importance. Ah, allez, 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 viens. Maître Blaireau, toi qui sais si bien parler, je vais te charger d'une mission dont dépend ta vie. Voilà. Maître Blaireau, je veux que le renard, ton cousin, vienne à la cour où l'attend une punition éclatante. Tu es le seul ici assez malin pour le convaincre de venir. Et si demain ou plus tard tu n'as pas réussi, c'est toi qui à sa place subiras le châtiment. Si, je vais essayer. Le lion est, je te l'assure, d'une humeur charmante. Tu ne risques absolument rien de te rendre auprès de lui. Je n'ai pas très grande confiance et ne suis pas sûr des bonnes intentions de notre roi. Crois-moi, je t'en réponds sur ma vie. Tu seras reçu à la cour comme tu n'en as certainement pas idée. Écoute, la nuit porte conseil de réfléchir. Oh. Et le renard eut cette nuit-là un cauchemar extraordinaire. Allô, allô, mâles et femelles, le grand jour est enfin arrivé. Pour mettre fin aux querelles qui épuisent notre royaume, notre roi a décidé d'opposer en combat singulier Sire Renard, châtelain de Malpertuis, et son ennemi, Sire le Loup. Le match qu'on peut qualifier de match du siècle, mon cher auditeur, sera arbitré par le grand spécialiste des combats singuliers, Messire l'Ours. Ah, le loup est entré en lice et l'arrivée du renard est saluée par des mouvements divers. Le renard porte une superbe cape, il est en train de l'enlever, il apparaît dans une armure éblouissante. Il salue, il a fière allure, il faut le dire. Le loup a l'air féroce, il regarde du coin de l'œil. Le roi est en uniforme de simple caporal de la garde. Quant à la reine, elle porte une délicieuse toilette de satin broché. Pied de poule, oui, pied de poule. Et une ceinture crête de coq avec un ravissant plissé d'hermine fraîche. Ah, le combat est engagé. Le renard vient de donner un croc en patte à son adversaire qui se relève immédiatement. Chers auditeurs lointains des étables et des écuries, la lutte prend un tour féroce et diabolique. Attendez, je ne vois pas très bien. Le loup semble prendre l'avantage. Il a saisi le renard par la queue et lui assène de formidables coups de hache. Messire l'Ours arbitre le match avec son autorité coutumière.
Un coup droit du loup. Un coup droit du loup. Un incident dramatique vient de se produire. La hache du loup vient de se briser et l'arbitre l'a reçue dans le ventre. La lutte néanmoins continue malgré cet incident. Le loup semble avoir l'avantage. La scène des coups effroyable sur le casque du renard. Mais que se passe-t-il ? Je ne comprends pas, c'est un coup du renard. Sans doute, le loup vient de s'écrouler. Alors, on va, mes chers auditeurs, semble changer de face. Le renard martèle le visage du loup à grand coup. Le loup a saisi le renard. Il semble que le renard se trouve en difficulté. Le renard est écrasé. Au renard, maintenant tu es à moi. Oh, c'est fini, je vais mourir dans tes bras. Et c'est la fin du combat. Comme nous l'avions laissé prévoir au début du match, c'est la victoire de... Et le renard, que ce rêve avait rendu de fort bonne humeur, décida de se rendre sur l'heure auprès du roi. Un beau nœud pour toi. Présenté. Ordre du roi. Le renard sire de Malpertuis est condamné à être honteusement exécuté en public. Ses innombrables méfaits rendent désormais indésirable son existence ici-bas. Souhaitons que l'enfer lui soit accueillant. Nous le pendons ici pour lui éviter d'aller se faire pendre ailleurs. Ainsi en a décidé sa majesté. Allons, messieurs, nous sommes prêts. Que justice soit faite. Là. Arrivez, madame Corbeau. Il y aura du renard frais pour le déjeuner. Si avant de mourir, je demande la parole, je voudrais faire une dernière confession. Bourreau, attendez une seconde, laissez parler renard. Moi que vous allez pendre, vous ne vous doutez pas que je voulais faire de vous le monarque le plus riche et le plus puissant du monde. Le ciel n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, sire. J'avais amassé pour vous au cours d'une vie mouvementée un merveilleux trésor, de l'or, des perles, des rubis, des opales, des améthystes, des émeraudes, des aigues marines et un diamant énorme en forme de gigot. Hélas, il est trop tard maintenant. Dois-je même vous conter la suite? Parle. Ah, sire, quel traître que cet ours, que ce loup, que ce chat. Viens. Pardon, que je vienne, moi? Oh, mais comment donc? L'ours est compromis, le chat est compromis. Le loup est compromis, et la cigogne qui a truqué chez lui la semaine dernière. La cigogne est compromis. Est-ce que vous croyez que le chat est coupable? Lui qui est amoureux de la reine? Oh, ma chère, ma chère! Parle sans crainte. Vous et moi, sire, nous sommes les victimes d'un complot. Et j'ose à peine vous dire le danger que nous allions courir. Un horrible complot. L'ours
Votre capitaine des gardes, l'ours, brûle de régner à votre place. L'ours veut vous assassiner, sire, et vous aussi la plus belle des reines. Et il rêve de s'installer ici, à votre place, sur votre trône. Et comme il est relâche, pour exécuter lui-même ses projets, il s'est adressé au chat. Après votre mort, le chat a pressé plus que quiconque à remettre à votre monstrueux successeur les insignes de votre haute souveraineté, la patte d'oie cerclée d'or. Oh, majesté, n'écoutez pas ces horreurs! Mais le plus affreux, sire, je ne vous l'ai pas dit encore, vous ne vous croirez pas. Votre assassin, il est là, regardez-le, blanchir de peur. C'est lui, le vous a appelé pour exécuter son mauvais dessein. Votre mort n'est plus qu'une question de jour, peut-être de minutes. Croyez-moi, les moindres détails de votre assassinat ont été réglés. C'est trop fort. Chloé! Arrête! Assassin! Arrêtez les tous! Garde, on les jette en prison! Règne! En prison? Parfaitement! Tous les trois! Belle ménagerie, hein, fait à moche pourtant. À son tour, décida donc de s'emparer de Renard et se prépara à assiéger le château de Malpertuis. Et cette fois, ils sont venus nombreux, hein, tu te rends compte? Le roi! Ô braves soldats, vaillants et fidèles, du haut des tours de ce château, des siècles de ruses vous contemplent. Je remets à votre capitaine cet olifant dont le son seul doit annoncer la fin du combat. Voilà, capitaine. J'ai dit. Une vraie fidélité, fidèle à Albardier. Tu es prêt? Les plans établis? Loup, approche. Je te charge d'aller sommer le renard de se rendre. Va. Renard, tu es maintenant perdu. Ordre du roi, rends-toi! Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends mal. Moi, le loup te sauve. De te rendre, toi et les tiens. Ou sinon, nous attaquons. Je t'entends mal. Approche un peu. Oh! Majesté le loup,
Brûlouille, sire, brûlouille. Oh, c'est trop fort. Capitaine Ours, vas-y, bois. Au nom du roi, renard, en point, forcez bien. Sinon, le roi enverra ses guerriers contre ton château et tu périras. Obéis, ça vaut mieux, le roi est puissant. Prends-toi. Un instant, je viens. Enfin, voilà qui est raisonnable. Doucement, doucement. Capitaine. À vous, Han, l'honneur de l'attaque. Allons-y, en avant. Il en avant. Renard, ne fuis pas l'âne, renvoie. Non. Il en avant. Au secours! Au secours! À vous maintenant, ma deuxième armée! Cochon.
Compris que l'esprit et la ruse du renard en feraient le meilleur de ses ministres. Oh, ma reine, la couronne! Peuple, renard est plus fort que vous tous, et je viens de conclure avec lui à l'instant un pacte de paix et d'amitié. Je désire qu'à l'avenir, vous obéissiez tous à Renard. À Renard comme à moi-même, j'ai dit.
Thank you.